Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de rester au moins 2 secondes en l'air avec un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, vous pouvez vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay, donc à côté de Misty Meadow. À cet endroit là, il y a une sorte de descente et tout au-dessus de cette descente, il y a un bateau. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre le bateau et descendre la pente en essayant de prendre la rampe juste au bout. Alors je vais pas vous mentir que c'est très compliqué, mais même si vous vous foirez comme moi dans la vidéo, bah vous pouvez toujours replacer le bateau en face de la rampe et puis après, vous dirigez vers la rampe et mettez un coup de boost à la fin, ce qui va faire en sorte que votre véhicule va voler pendant minimum 2 secondes. Comme ça, ben, vous aurez terminé le défi. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un autre véhicule tout en haut, donc parfois il est peut-être pas disponible, mais là dans le gameplay il était disponible, donc vous pouvez prendre la camionnette et ensuite descendre la pente jusqu'à la rampe. Donc moi j'ai pas réussi à prendre la rampe, mais c'est pas grave, mon véhicule s'est barré sur la droite et il a volé minimum pendant 2 secondes. Donc après, c'est pas la seule possibilité, hein. Vous pouvez prendre un bateau et dans les ruisseaux, il y a des rampes. Donc vous mettez un bon petit coup de boost avant de prendre la rampe et ça va vous faire décoller pendant plus de 2 secondes. Donc ça, c'est une solution aussi. Ou alors carrément, vous utilisez le nouvel item que Fortnite a rajouté mardi, qui sont les pneus tout terrain. Et là, ben, vous les ajoutez à un véhicule et ensuite, ben, vous essayez de vous envoler avec le véhicule. Logiquement, le véhicule, il va rebondir dans tous les sens, donc c'est réalisable. Et en plus, je pense que le défi, vous ne devez pas spécialement rester 2 secondes en l'air en une seule fois, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs coups. Donc même avec des roues tout-terrain que vous pouvez trouver très facilement à Catty Corner et à toutes les pompes à essence de la map, et bien vous pouvez largement réaliser ce défi et débloquer 24 000 XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoolo le mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.